Voici les capitaines de l'armée de Sauron. Ils apparaissent sous forme d'ombre car leur identité est inconnue. Interroger des ennemis vous permettra d'obtenir de précieuses informations sur les capitaines. Alors, Guimoub l'esclavagiste, vous avez découvert l'identité de Guimoub. Elle vous aidera à le traquer. Son titre, l'esclavagiste, vous donne des indices sur son rôle dans la société Rook. Vous avez également appris son niveau de pouvoir. Il vous indique la difficulté que vous aurez à le battre. Les récompenses que vous obtiendrez en le battant dépendent de son niveau de pouvoir. Ces récompenses comprennent les runes pour améliorer vos armes et le pouvoir qui vous permettra de déverrouiller de nouveaux rangs de compétences. Donc ça c'est la position de la cible. La carte et l'objectif indiquent où le capitaine se trouve. Ok. Ah, ça fait mal au crâne, ça! Allez, dégage, Naboo. C'est là-bas que nous devons aller. On doit faire confiance à un orc. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. On dirait qu'il a pas de dents, l'esprit. C'est chaud. C'est parti pour le combat! Alors, les icônes jaunes font progresser l'histoire. Les rouges correspondent aux luttes de pouvoir dans lesquelles les Uruks s'affrontent pour un rang. Donc, les récompenses sont des points de pouvoir pour débloquer un nouveau rang de compétences. Et les icônes blanches représentent les missions secondaires et les éléments à collecter. Récompenses des Myriens pour acheter des améliorations. Deux missions principales sont disponibles. Donc l'esclavagiste, sauver les hommes prisonniers dans le Mordor et trouver les capitaines noirs. Et l'esprit du Mordor, découvrez le fonctionnement de la société Uruk et détruisez l'armée de Sauron de l'intérieur. Très bien. Entrez en mode spectral V pour trouver... Le monde a changé. Plus rien n'a de sens. Rien n'a changé. C'est comme ça. Le futur et le passé sont liés dans l'ombre. C'est quoi, je ne comprends pas ce que je fais là. Et je ne m'en souviens pas. Allons trouver l'esclavagiste. Son esprit. C'est ça, Nitindi, c'est derrière moi. Il pourrait nous apporter des réponses. Cette petite vermine, me regarde pas comme ça. Ah, c'est bizarre de courir avec espace quand même. Contrôle G ramassé. Afficher le mur, retour, quitter le mur et... Ouais, il y a plein de trucs, hein, je verrai au fur et à mesure. Ok. Lithildin, l'étoile lune. Forgé à partir du mithril, il garde les souvenirs du passé ancien. Le savoir qu'il renferme peut être juste ou corrompu. Si on mange la matière... Ok. Alors. On devient plus fort au combat. Et si on mange uniquement la viande des gens. Ok, on peut monter comme ça tranquillou, sans pression. Merde, ça veut même pas tuer. Si costaud que ça lui. Hello! Hop, ciao ciao! Si tu m'énerves encore, sois gentil. Alors, il y a un petit tourou, on va se le taper discretos. Hop! Voilà! Bonne compétence gagnée, cool. Merci, Rodeur. Et hop là. Et d'ailleurs, pour vous informer de suite, entrez pour une compétence. Tout ce qui va se dire pendant le jeu, donc en off, je ne vais pas avancer. Parce qu'en fait, si j'avance, je ne vais rien comprendre. Donc je préfère m'arrêter le temps que ça se fasse. Et comme ça, je comprendrai mieux l'histoire. Je ne sais pas faire deux choses en même temps, malheureusement. Vous avez assez de Myriam pour acheter une amélioration. Appuyez sur E dans ce menu vous permettra d'afficher vos attributs. Gagnez de l'expérience pour obtenir des points de compétences et déverrouiller de nouvelles compétences puissantes. Participez aux luttes de pouvoir avec cette icône pour gagner des points de pouvoir plus rapidement et déverrouiller des rangs de compétences. Ok. Alors, on a des compétences en tant que rôdeur et en tant que spectre. Exécution. Une fois votre compteur de coups chargé, appuyez sur F pour exécuter votre ennemi.
Après 8 coups consécutifs, le compteur de coups devient rouge et votre épée se met à rayonner. Les ennemis contrés avec droit seront projetés en arrière, étourdis ou mis à terre. Bon, je vais partir sur ça. Les attributs. Alors, le myriant est la monnaie qui vous permet d'améliorer vos armes et d'augmenter votre capacité maximale de santé, de concentration et de tir d'elfe. Vous gagnez des myriants en trouvant des éléments à collecter et en terminant des missions secondaires, des défis et des objectifs bonus. Ok. Donc, j'ai 75 myriants, si je comprends bien. Ah, je peux avoir une chose. Déverrouille un emplacement de rune sur votre épée. Votre santé max augmente. On verra ça plus tard. Ok, ça c'est la progression du jeu. Okay. Vous entrez immédiatement en furtivité dans les buissons hauts. Ça fait au moins un Ah, jour vous que je n'ai pas entrerez. tranché une tête. Allez, je veux tuer quelque chose. Ok, alors maintenant il s'agit d'aller faire la quête. Ah, il y a un truc vert là. Une belle petite fleur, c'est ça? Le Ah. capitaine dit qu'il y a des grottes à proximité. Donc ça me fait Il gagner veut 2 sûrement qu'on d'XP. aille lui tuer un gros Récolter pour le des herbes dîner, pour ce recharger votre sale santé. fainéant de D'accord. globe. Consultez la carte M pour voir les défis et survivre et gagner des myriens. Ok. Allez, c'est parti pour la. Pour la quête de Guimoub. Jamais pour toi. Comment ça? Celle-ci que j'allais dire. Malheureusement, elle était pour toi, mon gars. Alors. Ça va, on n'est pas tellement harcelé. C'est plutôt calme. Je me préparais à partir à la chasse, et tout à coup, voilà qu'on m'ordonne de préparer plus de provisions. On va sûrement nous redéployer au donjon. Oh, Il un paraît donjon. qu'ils ont vu ce rôdeur Tark dans le coin. Attends, toi. On est Alors, libre! qu'est-ce que c'est que ce grosse icône là? Il est au-dessus? Allez, monte mon grand. C'est le marteau qui devrait commander. Hop. Ok. Alors là-bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai une flèche. Ça doit pas être ça. Ok, donc ici on a un truc. Attendez un peu, on va bientôt recevoir l'ordre de 50 millions. Ah, un artefact. Ces artefacts renferment les souvenirs du Mordor. Utilisez clic droit et clic gauche pour trouver le souvenir, puis appuyez sur X pour le révéler. Qu'est-ce que je dois trouver? Ah! Bon, les limaces, bienvenue à la Porte Noire. Vous allez construire nos tours de guet. Travaillez dur, vous serez récompensé. Monsieur, vous voulez dire qu'on sera récompensé par une peine plus courte? Vous n'êtes tous que des traîtres, des meurtriers, des voleurs. Votre récompense, ce sera de ne pas finir en pâture au Caragor. Au Caragor. Ok. Qu'est-ce qu'un Caragor? Ces hommes ne sont pas des soldats. Ils ne sont pas prêts à mourir. Toute chose vivante doit mourir. Seul l'homme doit faire face au mystère qui se cache derrière la mort. Du monde, quand même. Attendez. En même temps. Comment ça, en même temps? Allez, venez, le petit jouet. Abandon.
Oh, il y a un sabre du sang. Ça beaucoup, non? Hop, 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 hop. Il y a... Ah, c'est des flèches qui me popent dessus. Oh! Oh, la belle exécution. C'est des vrais punching ball les trucs. Ils en prennent plein la gueule. Non. Oh, oh, c'était beau ça. La belle petite poussette. Oh bah ça va, ça, comme ça c'est pas très compliqué. Là-bas. Oh oh. Vous vous inquiétez tous beaucoup trop de cette petite créature maudite. Vous feriez mieux de vous inquiéter de moi. Alors, contrôle gauche, commencez la mission. Un esclavagiste Uruk détient un prisonnier qui possède des informations sur les capitaines noirs. Traquez l'esclavagiste, sauvez le prisonnier et découvrez ce qu'il sait. Acceptez. Pourquoi traques-tu les Uruk avec tes yeux humains? J'en vois plus que tous les mortels. Faible. Utilisez le mode spectral pour identifier vos cibles. Appuyez sur X pour identifier le capitaine esclavagiste. Okay. Tue le capitaine Orc. Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Des archers. Je dois éliminer les yeux éliminer du camp. Éliminer les archers avant d'attaquer Kimubu. C'est quoi, c'est... Ah ok, une, un objectif bonus. Secondaire. Si tu lui laisses la mission, s'il fuit encore, on va manquer de poteaux. Ok. C'est pas un archer lui là-bas. J'en ai un. Où est-ce qu'ils vont être les autres? Ouvrez l'œil sur cette vermine d'immortel. Si on le tue une fois pour toutes, on sera tous gâchés. Ça c'est une petite élimination comme je les aime. Alors j'en suis à deux. C'en est un lui là-bas? J'en ai pas un. Je déteste que le chef rationne le grog quand il estime tout qu'on en a pas fait assez. Tentant de s'échapper, mourra de rage. Ne pensez même pas fuir, ou je vous le ferai payer moi-même. Escarté par une armée de grog. Une armée de grog qui garde le grog. Écoutez-moi, vous pensiez être assez rapide pour fuir, hein? La balle, aucun avorton d'humain ne peut distancer un Uruk. Ouh là là. Allez, ciao bambino. Qu'est-ce que c'est que ces... cette icône en bas? Vous voyez ces esclaves? Ils ont tenté de fuir, alors ils vont mourir. Les côtés à poteau. Tiens, prends ça. Bang. Ça pique un peu, non? Un tueur sévit dans le coin. Quelque chose vient de bouger. Non. N'essayez plus jamais de fuir. Ce sera plus dur sans pied. Parce que j'ai...